Salut à tous, c'est Axel et on se retrouve sur le serveur Minecraft de Test Mobile après une longue période, on va dire, de vacances. Voilà, alors moi j'étais parti et du coup je suis pas trop allé sur le serveur. Mais heureusement, on n'est pas seul. D'ailleurs, on est 4 aujourd'hui connectés. Et il y a eu quelques petites constructions, on en fera le tour prochainement, hein. Là, voilà, il y a le bâtiment commun que vous avez déjà vu. Ça, c'est une gare qui a été faite par plusieurs personnes. On ira la voir. Une autre fois, là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plus le château. Donc j'ai pas mal avancé. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai fait ça, ça, et puis sinon il y a eu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Hey, c'est moi qui ai tout cassé, bien entendu. Alors vous allez me dire, non, mais pourquoi tu fais ça? Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Quand je suis arrivé sur le serveur, j'ai commencé à construire des sacrés tours juste ici. Parce que voilà, j'avais pas trop d'inspiration et c'était ce que j'avais envie de faire sur l'instant. Donc j'ai fait deux énormes tours qui allaient super haut. Pas très belle et avec beaucoup d'espace à l'intérieur, mais qui au final sert à rien parce que enfin moi je j'ai pas spécialement la vocation ou l'envie de créer des pièces à l'intérieur de mon château un peu partout avec des utilités diverses et variées. Je suis pas très bon à ça, et donc au final je me suis retrouvé avec des tours immenses, moches, avec trop de place à l'intérieur et qui sert à rien. Et puis après j'ai commencé à faire ça, à m'amuser avec le quartz. Alors ouais, il y avait une autre tentative de tour ici et je l'ai supprimée, comme vous pouvez le voir. Et après j'ai commencé plutôt à faire genre cette tour-là. C'est celle que je trouve est la mieux aujourd'hui. Il faudrait que je l'affine un peu. J'ai fait l'arche. Là, il faudrait que je fasse la même chose ici. Je le ferai aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ce petit mur-là que je vais affiner aussi. Et je me suis dit, mais attendez, cette zone-là, elle est quand même pas si moche. Je peux encore continuer à faire des choses sympathiques. Mais ces deux tours ici, elles n'ont plus rien à voir, elles n'avaient plus rien à voir avec tout ça, et je pense que voilà, le fait d'avoir deux hautes tours, même en décalage, aucune symétrie, c'était pas joli, tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pas tout faire, enfin je vais pas tout filmer, mais je vais avancer là-dessus, je vais m'occuper de ça là, pour uniformiser ce bloc-là. Ce que j'ai décidé de faire, c'est en regardant différentes vidéos. Hop, je vais enlever ça. En regardant différentes vidéos de construction Minecraft, en fait, c'est que faut d'abord déterminer les couleurs que vous voulez utiliser. Puis ensuite, après, vous commencez à avoir une idée générale de ce que vous voulez faire. Et puis affiner petit à petit et pour essayer d'arriver à quelque chose de bien. Mais il faut quand même penser au minimum le truc à la base. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai pas prévu que de faire. Là, en tête, sincèrement, j'ai pas de grande idée, mais bon, remarque, bon, je vais vous expliquer ce que je veux faire quand même de base, et après je vais affiner, et ce sera bien. En tout cas, pour cette grosse construction, alors désolé, hein, du coup, on a tout enlevé, et merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont aidé. Donc, ce que j'ai décidé de faire, vous allez voir, bon, vous le voyez ici, c'est de recouvrir le sol de dalles en pierre, parce que j'aime bien l'aspect pour le sol, je trouve ça propre. Ça, c'est l'arrivée de la gare chez moi. Ça doit changer parce que ce petit pont, c'est moche. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est une entrée un peu sympa ici, peut-être avec de l'eau qui circule en dessous. Je sais pas trop. Ça, je vais voir. On rentre là-dedans dans la cour. Il y a un mur là. Il y aura un deuxième mur ici. Et en fait, il y aura deux autres tours comme ça qui seront de façon à créer, je pense, une sorte de carré. Donc je sais pas, ce sera probablement là, un truc comme ça. Je vais essayer de voir ça. Et donc, toc, une tour là, une autre tour ici, le deuxième mur, l'arche ici, l'entrée comme ça. Et ensuite, ce que j'ai prévu aussi éventuellement, entre les deux grandes tours qui seront ici, c'est de faire une tour plus fine, un peu plus haute, au milieu. Et on partira de ça. Ensuite, là. Toute cette cour-là qui sera assez grande, je voulais jouer un peu avec peut-être mettre un ou deux petits arbres, une fontaine, quelques petits éléments de couleur. Alors là, il y a du bleu, c'est pas moi qui l'avais mis.
Ça peut être une idée, le problème c'est que je suis parti sur des blocs de redstone, et la redstone c'est quand même pas trop dur à trouver, donc pourquoi pas. Là je me disais aussi qu'on pourrait peut-être enlever les lampes qui sont assez moches et remplacer ça que par, enfin mettre tout en rouge, à voir. Donc c'est à peu près ça l'idée, ça va prendre un peu de temps, et du coup je vais vous laisser quelques minutes pendant que je construis, et on se retrouve... dans quelques instants, quand j'ai avancé pour vous montrer ce que j'ai fait. N'hésitez pas, bien sûr, au fil de la vidéo, quand vous voyez ce que je fais, si je pose, si j'ai des interrogations, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner des conseils, etc. Parce que je suis pas forcément très très bon en construction, j'essaye de m'améliorer. Mais le but, c'est que ce château soit quand même sympa. Donc, c'est parti. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble, hein. Il manque certains éléments là. Il va falloir que je nettoie la gare. Enfin, la gare, ouais, l'arrivée ici. Alors, il y a un truc qui est important aussi, c'est toute cette zone qui est un peu en lévitation. C'est vrai que les demi-dalles, c'est pas magnifique pour ça. Va falloir faire quelque chose. Moi, ce que je pensais faire de façon, cette plantation, elle va peut-être bouger. Dans tous les cas, pardon. Excuse-moi. Dans tous les cas, ce qui est important. Et merde, ça y est, j'ai déclenché. Gens qui veulent me tuer. C'est parfait. Alors, ils connaissent pas. Ils connaissent pas ma tour et moi non plus apparemment. Merde. Ok, on va ressortir. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est, j'ai même pas une arme, j'ai que dalle. Ah, je peux utiliser ça, ça. Ça. Sont juste là. Ok, bon. Sinon, je vais leur faire un coup assez drôle, attendez. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc j'ai avancé là-dessus. Je vais faire les autres tours également. Ici, juste là et juste là. Ça devrait le faire.
Et on se revoit dans une petite minute. Je vais pas réenregistrer en timelapse. Parce que du coup, quand j'enregistre en timelapse, ça me fait jouer sur un autre ordinateur qui est un peu moins puissant. C'est pas forcément agréable. Je trouverai une solution pour faire ça régulièrement parce que je trouve ça bien. Mais du coup, je vais m'occuper de ça tout de suite. Alors, on est de retour. Hop, je vais vous montrer ça. Hop. Ah. Il y a un message pour moi là-haut. Ça, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Celui-ci aussi est un beau phallus. Et ceci est un très beau phallus. Oui, il fallait lire celui-là en premier, ça c'est le second. Alors bon, je sais, je pense que c'est Minimizer ou Cassifère qui a déposé ça. Voilà, j'ai juste fait les modifications sur cette tour-là. Il y a le sol ici. Je vais. Oups. J'ai fait un stock de Ender Pearl. Car on a un petit module sympa. Là, voilà. Hop, je vous montre ça. Ça tombe bien. Alors, c'est assez insupportable, du coup, on va pas rester longtemps. Mais en gros, voilà, c'est dans la End World. Et on a des voilà des une sorte de ferme à Enderman, mais ça fait vraiment trop de bruit, donc on va partir. Et ça c'est vachement bien, donc bravo à toute l'équipe. Je sais pas qui s'en est occupé, mais je pense qu'ils se manifesteront dans les commentaires. Et c'est vachement pratique pour. Alors je suis pas encore au point. Voilà, très bien. Donc on est ici. Et du coup ça va peut-être m'éviter de d'utiliser constamment le mode fly parce que vraiment ça me plaît pas de devoir faire ça. Et on va aller faire un petit tour. Alors on fera un tour du serveur complet, un point global sur le serveur, un peu avant, après, d'ici quelques temps, le temps que chacun ait une belle belle maison. Et c'est presque déjà le cas chez la plupart. Mais pour faire un petit intermède dans cette vidéo, on va aller voir. Lol. On va aller voir chez Minimizer qui est juste là. Et attends. D. Je vais juste reprendre quelques. Voilà. Oh, je suis en train de crever. On va aller là-haut. Voilà. Et donc on va aller faire un petit tour chez Minimizer qui a apparemment bien avancé sur sa maison. Si je fais ça, c'est bon, non? Ouf. Faudra des nouvelles bottes. Et on va passer 2 jours. Time set day. Désolé, hop, voilà, c'est parti. Doudoudout. Donc lui, il a décidé de faire sa maison. Bonjour YouTube. Il a décidé de faire sa maison à, je crois, 2000 ou 4000 blocs du spawn. Donc il est vraiment tranquille et il a pris cet espace génial, enfin super grand. Et il a ses 2 chevaux. D'ailleurs, moi j'ai pas encore de cheval, hein. Ça va venir, ça fera l'objet d'un épisode. Alors il y a Cassifère qui s'amuse. Jolly Jumper et lui il a pas de nom. Oups. Cheval de course. Ouh. Les chiens. Alors là on voit le coffre de loin. Je sais pas si vous arrivez à lire les commentaires. Ouh. Je voulais pas aller par là. On va aller par là. Allez, on va aller par là. Nice. Joli. Donc on a quelques coffres, quelques fours. Salle des fours automatisée. Automatisée. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors on va aller voir là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Objet à cuire. Ok. Carburant. Wow. Blaze. Tranquille. Ne pas utiliser, merci.
Écoute, cuisson, cuisson, cuisson. Bon, voilà, vous voyez. Là, il doit y avoir des entonnoirs juste en dessous. Ça doit tomber, à mon avis, c'est ça. Ah, ou juste à côté. Et après, ça redistribue sur tous les fours avec des... Ah, c'est nice. Avec un... Comment ça s'appelle ça? Un wagon distributeur. Je sais pas, en anglais, ils disent... Je sais même pas comment ils disent en anglais. Ça s'appelle, je crois... Enfin bref, ça marche bien, c'est chouette. Donc normalement je crois que c'est un coffre qui est dans un minecart qui avance, ça distribue et ensuite en bas vous avez le résultat. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, moi j'ai pas du tout la patience de faire ce genre de truc. Donc non, ça c'est bien, c'est une belle construction. Ok. Chouette. Alors, il a lieu de ralliement des YOLO swag, swag, swag. Ok. Oh oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais pas ça. Ok. Donc là, il a son beacon. Je sais pas quelle propriété il a, je connais absolument pas. Régénération et vitesse 2. Donc là, j'ai vitesse 2. Et régénération. On va. Régénération, comment je peux faire? Alors attends, on va regarder ça. Oh alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire. On va refaire. On va faire ça. Voilà. Et normalement, regardez mes cœurs. Non, je sais pas. Wow. Bah, attendez, comment ça se passe ce truc? Moi, je connais. Vitesse 2 et régénération. Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir de génération? Bon, bref, dites-moi. Dites-moi ça dans les commentaires. Je connais absolument pas ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un générateur automatique. Ok. En fait, il utilise un bug du jeu. Un bug du jeu qui permet de générer automatiquement à partir d'un élément des rails. Ça s'appelle des rails. Voilà. Comment ils s'appellent ça déjà? Des rails de propulsion. Donc vous savez, c'est des rails qu'on utilise. On les faut les alimenter par des par de la redstone ou une torche. De redstone, j'ai pas ça sur moi, ou un levier, ce genre de truc. Et voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est un bug qui à mon avis va être corrigé. Alors là, il a une ferme de golems d'acier. Shit. Alors comment ça marche? Pour commencer à récolter le fer, mettez le levier sur on. Récolte on, récolte off. Les golems de fer spawn environ 1 à 6 minutes. En fait, c'est des golems. Les golems d'acier, c'est des protecteurs du village. Et donc, il me semble que quand il se déplace, il lâche du fer en fait. Et du coup, il a dû mettre des entonnoirs. Et voilà. Donc là, il est sur on là ou pas? Il y a combien? Il y a 7. Il faut le tuer ou pas? Non. Ça vient pas très vite, il faut AFK. Ok, bon bah ça on verra plus tard. Mais en tout cas c'est cool. Donc générateur de fer. Et... Ouh, j'ai eu un petit freeze. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être... Yay! Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Entrée interdite aux personnes non autorisées. Ah, il y a un code. Ça doit être ça. Sympa. Ah.
D'accord, donc ça c'est la salle des coffres de Minimiseur. Avec son. Bah, il fait ses tris quoi. Avec ses trucs. Ah, ça tue, ça c'est bien. Putain, l'argile, c'est vraiment dur de la trouver. Hein. Donc, nature, bouffe. Bon, après, rien n'est protégé. Hein. Mais c'est joli hein, ce qu'il fait. C'est joli. C'est très bien. La paille, coincée derrière là. Ok, bah écoute, c'est sympa. Ouais, c'est pour stocker vraiment en masse tout quoi. Bon, on va voir s'il y a autre chose. Ah, et ça, en fait, ça c'est les. Ok. Un pâte à choucroute apparemment. Il aime bien s'amuser avec, avec tous ces trucs là. Donc là il doit avoir quoi? Des trucs plus précieux. Ouais, du bon matos. Du diamant. Bon, pas mal de choses. Des disques. Coffre du néant. C'est bien ça. Non, ça c'est vraiment bien. Ok, bon bah top. Wow! En fait, il y a un délai. Il faut. C'est par là, non? Ah, ça. C'est quoi? C'est ça ce que c'est? Bon, pour visiter toutes les autres maisons, on fera pas ça dans juste un épisode. Bon, je ferai un épisode complet, on ira voir. Ou peut-être de temps en temps, pendant les épisodes, aller voir les gars. Et alors il y a Cassifer qui dit, il m'a promis un bisou sur la fesse droite et me l'a jamais fait, donc désabonnez-vous. Toi, on n'ira pas voir ta maison, hein, sinon ça continue. Non, elle est, en plus, il a quelque chose. Bon, on l'avait vu l'arbre hein, chez lui, chez Cassifer, c'est plutôt sympa. Ok. Ouh, j'ai des petits problèmes de FPS, désolé. Et qu'est-ce qu'il m'a mis? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Finalement, il y a la ferme à Golem en haut. Ok. Alors là, il y a un système. Ah, il y a Migat qui est là. Donc c'est ça qui construit les golems. Donc a priori, c'est le 6 avec les. Je demande comment ça marche. Hein. La prochaine fois, on pourra se connecter sur le serveur vocal, sera plus simple. Non, en gros, a priori, il y a les villageois. Voilà, il simule un faux village. Et du coup, ça doit générer automatiquement de temps en temps des. Ok. Et donc après, j'imagine qu'il tombe. Fuck. Ok. Ok. Allez. T'atterris. Voilà, je suis loin là. Bref. Je suis pas encore très bon avec les. Avec ça. Enfin bref, super. Bah merci, merci, c'était sympa comme petit tour. Il y a les lits de Migat, ouais, Migat, je crois qu'il squatte un peu chez Minimizer. Alors, là-dessus, donc moi ce que je pense, du coup. C'est que comme là on est à peu près ouais on est à peu près une demi-heure de vidéo je pense que ce que je vais faire c'est que je vais avancer de mon côté sur les deux tours là parce que ça va prendre du temps et on les verra lors du peut-être pas prochain épisode parce que j'aimerais bien que le prochain épisode de Minecraft soit dédié à la map Dust ouais j'ai des petits chutes de FPS là, je sais pas ce qui se passe je pense que c'est mon disque dur mon SSD qui a quelques soucis.
Alors on verra ça. Et en tout cas, donc la prochaine fois, je pense, c'est Dust. Et puis après, je vous montrerai comment j'ai avancé sur le château. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit épisode, nouvel épisode sur le serveur de test mobile Minecraft vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner, comme d'habitude, hein, à partager les vidéos si ça vous plaît. Et laisser un commentaire hein, pour donner des. Si vous avez des idées d'ailleurs pour le château, moi je pensais partir vraiment sur un modèle comme ça, et puis après affiner vraiment, vraiment la tour, la base, essayer de. Je vais trouver des trucs, vous inquiétez pas, on va faire ça, je vous montrerai ça, on fera ça un peu ensemble, et moi je le ferai un peu tout seul aussi. Voilà, allez à bientôt.